Manière, nous simplifions par 5, ça fait 1, et par 5, ça fait 200. 10 par 5, ça fait 2, on ajoute de 2 zéros, ça fait 200. Donc nous aurons 2 unités, 1, 200 centimes. Voilà, là nous avons converti en nombre. Le nombre fractionnaire et nous avons simplifié. Nous avons converti le nombre décimal en nombre fractionnaire et nous avons converti. Nous avons le troisième cas qu'on doit convertir en nombre décimaux. Nous devons convertir en nombres décimaux. Exemple, 7 quarts. Lorsque nous avons 7 quarts, comment est-ce qu'on va convertir ça en nombre, à un nombre décimal? Nous avons 7 que nous allons diviser par 4. 7 divisé par 4, ça fait une fois. 1 multiplié par 4, ça fait 4. 7 moins 4 reste 3. Parce que le dividende est inférieur au diviseur, on fait quoi? On place la virgule, on ajoute 0. 30 divisé par 4, ça fait 7. 7 multiplié par 4, ça fait 28. On emprunte une unité ici, ça fait 10 moins 8, ce qui reste 2. Et 2 moins 2, 0. Parce que nous avons encore la possibilité de continuer. Comme il y a déjà la virgule, on ajoute seulement 0, ça fait 20. 20 divisé par 4, ça fait 5. 5 multiplié par 4, ça fait 20. Et 20 moins 20, ça fait 0. Donc, 7 quarts, ça va nous donner une unité.